President Fonditor. La tanière du long vice a fait reconnaître dans le monde entier ton talent, tes exploits, tes anecdotes et tes souvenirs. Secrétaire de la tanière et j'ai une question particulière à poser à mon malam André Canabig. Voilà, c'est plus en amont, tout avant qu'il commence à jouer au football. J'aimerais savoir, André, si je peux me permettre, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir jouer au football? Est-ce que tu t'es senti poussé par quelque chose de plus fort que toi qui t'a mené sur le terrain ou tu t'es retrouvé là par hasard et au final, on a révélé un don où tu as travaillé de façon acharnée pour pouvoir atteindre ton objectif? Non, c'est très simple. Hein. Le football, à mon époque et à un autre âge, quand on était jeune, on ne pouvait pas aller jouer au rugby. Non, on ne connaissait pas ce que c'est le rugby, on n'allait pas jouer au tennis. Donc c'est le football qui réunissait tout le monde, dans la famille déjà, et puis au niveau du village, chez les cousins et tout ça. Bon. Qu'est-ce qui me pousse à jouer au football? Je crois que c'est un don. Mon oncle, le petit frère de mon père, était un très bon footballeur. Mon père, même avant qu'il n'ait son accident, jouait bien au football. Donc c'est une histoire qui est arrivée comme ça dans la famille. Et petit à petit, on a commencé à jouer avec les citrons, les oranges comme ballon. Après, on s'est confectionné nos ballons avec des habits qu'on attachait. On attachait et tout pour former une espèce de boule et jouer. Donc, on a joué, on a commencé comme ça au niveau de la famille, au niveau du village. Après, nous sommes montés au niveau du département où bon, on jouait les intervillages. Après les intervillages, maintenant on a été repéré par rapport à tous les intervillages. Et puis voilà comment. Et le jeu aussi, comme je disais, parce que avec François, on a été champion de la Sanaga Maritime des cadets. On est allé jouer les sud cadets. François, CSAU a gagné la finale cadette et tout. Donc, c'est des endroits comme ça où on s'exprimait, où les gens voyaient notre capacité. Ça nous a permis, avec les éloges, les conseils, bon, ça nous a donné encore un peu plus le goût d'aller un peu plus loin. Comment est-ce que tu as commencé à jouer au football? Où est-ce que tu as signé ta première licence en football amateur? En football amateur, ma première licence, c'est à aider à football. C'était un club que les oncles avaient, qui était en troisième, disons, qui était en ligue. Et ils nous ont appelés pour leur donner un coup de main pour jouer le championnat afin de monter en deuxième division. Oui. C'est là où je commence avec François. Avec la licence de la fédération. Après, l'IDEA, je vais à Sfens d'IDEA. Je vais au lycée. Donc je commence à jouer à Sfens. Je joue à Sfens pendant 2 ans et à Sfens, après Sfens, je suis rattrapé par l'équipe du village Pouma Football Club. Donc je vais à Pouma, je joue 2 ans et puis je n'ai pas joué une année à l'Union de Douala. Et de l'Union de Douala, je monte à Yaoundé pour jouer dans le diamant de Yaoundé pendant une année et demie. Et je viens en France. Thank you.
2022. Te voilà alors, parle-nous un peu de ta première CAN. Comment est-ce que tu arrives dans ta première CAN et tu es titulaire au premier match devant le meilleur 8 d'Afrique, Mbida, Grégoire, Arantes? Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Il n'y a que Dieu qui peut expliquer ça. Je suis en stage, comme tout le monde, on était nombreux et on donne la liste des partants pour la Coupe d'Afrique. Bon, je suis là, Mbou est là, Dipakem est là, François est là, mais lui se blesse pendant le stage. On arrive, on se dit que nous sommes, comme on dit chez nous, les Tchopnaga, donc on va les remplaçants. La veille du match, la séance d'entraînement, on s'échauffe, je suis avec un bout, il y avait un s'échauffé deux par ballon, avec un bout on s'échauffait, les autres chacun avait son coéquipier, on s'échangeait les ballons. Après, le roi commence à distribuer les chasubles. Tu vois, il donne à Kono, il donne à Kono, il donne à Diasso, Sinkot, il donne à Oudou, il donne à Koundé. Bon, je vois, je donne le ballon à Mbou. Mbou est là, moi je suis là. Je vois, il donne à Mbou. Moi je fuis pour voir son intention. Il donne à Mbou, il donne à. C'est pas encore. Kate. Kate. Oui, il donne à lui. Il vient toujours vers nous. Je donne le ballon encore à Mbou, je fuis. Encore. Donc quand il reste un chasuble, c'est là où il me poursuit, il me dit, ouais, André, moi je m'arrête, je prends le chasuble. C'est comme ça que c'est à cet instant que je sais que je vais jouer le lendemain. Mais moi j'allais à Couvre, je savais que bon, j'avais mettre un corsage devant moi et que j'allais apprendre, je pouvais entrer en cours de match. Je ne peux pas te dire pourquoi. Bon, il a vu que j'avais la capacité de jouer. Et il ne s'est pas trompé parce que j'ai fait un très bon match et une très belle Coupe d'Afrique. Oui, mais maintenant, tu as dit que vous avez dit quelque chose avec vous. J'ai dit à Mbou, quand il m'a donné le chasuble, je suis venu à côté de vous, j'ai dit, Mbou, comme on nous a donné ce truc-là, on va plus, pour sortir de cette équipe, ça va faire, il va falloir que les gens là, que les gens salient, travaillent pour nous enlever dans l'équipe. Pour la petite histoire, aux abonnés de la tanière, ils étaient trois joueurs seulement dans cette CAN-là qui ont reçu être titulaire et qui c'était la première fois. Il y avait Ndipakem Victor, il y avait Mboumbou Emile et il y avait André Kanabik. Mais André Kanabik, contre l'Algérie, one, two, three, tu prends les responsabilités, n'est-ce pas? Tu marques deux golasso historiques et galactiques devant son excellence, le meilleur avant-centre du monde, Roger Mila. Mais comment est-ce que ça passe dans ta tête? Tu marques dans une première CAN, tu n'es pas un buteur. Comment tu marques devant Mila? Il ne faut pas oublier que j'étais un ancien avant-centre. Hein. Mais et personne n'a marqué deux buts devant Mila? Oui, bon, ben, je ne savais pas que j'allais marquer deux buts. Ce sont les occasions qui se sont présentées pour que je les marque les deux buts. Voilà. Et comment est-ce que tu t'es senti? Mais premier CAN, titulaire, ce n'est même pas non, que avant tu jouais. C'est-à-dire que premier, quand tu es titulaire devant les monuments comme les Mbida, Arantes, tu joues avec les abeilles. Ce n'est pas les choses qu'on peut expliquer. Il faut les vivre pour les comprendre. Je ne peux pas te dire des trucs comme ça, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas expliquer ça. Si encore que moi qui n'étais pas sûr de jouer, et qu'un match aussi décisif que celui-là, je marque deux buts. C'était exceptionnel. Je ne peux pas décrire ça. Honnêtement, il faut le vivre. Vraiment, il faut le vivre. Ça a été une joie. J'ai crié maman, maman, maman. Oh, maman, quand je courais là-bas, j'ai crié. Parce que oui, moi, c'est ça, je vais te dire. Oui, maman. D'accord. On va donc maintenant. On arrive à la CAN 88. Tu arrives dans ta première CAN, vous êtes finaliste. Mais en 86, on allait oublier. Toi, André Kanabik. N'est-ce pas? Mbida a raté le pénalty. André Kanabik aussi a raté le pénalty. N'est-ce pas? Oui. Raconte-nous un peu. Il y a les anecdotes dans ce pénalty-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a envoyé tirer le pénalty? Tu as pris tes responsabilités. C'est Claude Leroy. Avant d'aller tirer le pénalty, il ne faut pas oublier que la Zambie, quand on bat la Zambie, c'est moi qui donne le coup de tête où le joueur devient. Voilà. Ok, ok.
D'accord. Je veux bien que je loupe le pénalty. L'histoire de pénalty, on n'a pas fait les séances de pénalty la veille du match. Donc on aurait su qui va tirer. Je n'ai jamais demandé à Claude Roy de venir me dire que je tire le pénalty. Il m'a imposé le quatrième tir. Mais on le sait, le cinquième. C'était le sixième. Le sixième. Oui, parce qu'on a. C'était le sixième. Et qui tira après moi si j'avais marqué. Il y a d'abord Bida qui a raté. Oui. D'accord. Quand Bida a raté, on était égal. Oui, on est égalité. Maintenant, moi, je viens tirer le sixième. Oui. J'arrête et je rate. Oui. Je vais te dire que si j'avais marqué le sixième, tu sais qui devait tirer le septième. Comment on va savoir, c'est pour ça que Sembou. Makurutu. Sembou. On n'a jamais demandé de tirer. Parce qu'il faut. Ce genre de trucs, on les prépare là. On n'a pas. Le coach n'a pas voulu faire ça. Bon, il est venu. Il a choisi. Bon. Oui, mais pour aller tirer le pénalty, avais-tu peur? On est face aux abonnés de la tanière qui vous connaissent très bien. Tu as eu peur? Est-ce que. C'est pas parce que tu n'avais pas. Mais tu as vu peur. C'était une lourde tâche pour toi. Je te rappelle que ton grand-père, Alain de Zavette, il avait dit arrêté. Oui, non, mais le problème, c'est que c'est pas. Bon, il peut avoir de la peur parce que c'est la première compétition et jouer. Devant peut-être 120 000 spectateurs là-bas. Il n'y avait que des militaires, attention. Il n'y a que ça, tout le monde est contre vous. Vous n'avez pas dormi la veille parce qu'ils sont venus faire le boucan à l'hôtel et où ils ont cassé le bus, que ce soit l'aller ou retour après le match. Donc ce n'est pas évident. Je crois qu'il y avait un stress parce que à l'équipe nationale, c'est moi qui tirais les pénalités et je l'ai marqué. Bon, mais quand il y a un degré de tension, de responsabilité, bon, je n'ai pas pu assumer ça. Et puis, voilà. D'accord, nous arrivons donc à la CAN 1988, où tu es déjà mature. Tu as une Coupe d'Afrique des Nations où tu es arrivé en finale. Et on est champion d'Afrique. On est champion d'Afrique. On a marqué 4 buts. Et on dit ça dans la tanière que. Impossible n'est pas camerounais. Être champion d'Afrique avec 4 buts. Dites-moi un peu votre équipe, vous étiez quel compagnon? Bon, il faut d'abord savoir qu'on joue pour la Coupe d'Afrique à 45 ou 50 aujourd'hui. Mais ça n'a pas. Non, même si on joue une seule personne, ce que vous avez démontré, n'est-ce pas? C'est que on a vu une équipe compacte, n'est-ce pas? Pour remporter, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Et il ne nous suffit pas de marquer beaucoup de buts. Quand on veut gagner une compétition, on vous a vu vous mettre à fond. Bon, quand tu as une équipe comme ça, c'est que quand tu as une équipe comme ça qui marque 4 buts pour gagner une compétition, c'est que la force de l'équipe était basée sur la défense. Okay. Et quand tu as un buteur comme Roger Milan, tu dois d'avoir assuré ta base. Parce que c'est qu'avec un monsieur comme ça, à n'importe quel moment, ça va rentrer. Et c'est ce qu'il nous disait. Il nous disait, bon, les gars, fermez derrière, donnez-moi le ballon. Donc, quand on ne savait plus quoi faire, on lui donne le but. On savait donc dit que ça confirme que l'impossible n'est pas camerounais. C'est pas. Oui, je confirme ce que tu dis. Et maintenant, avec cette équipe qu'on parle, parce que nous, on vous voit jouer. On sait quand c'est bien soudé, quand vous êtes là. Cette même équipe, c'est la majorité des joueurs qui sont partis écrire l'histoire en Coupe du Monde 1982, mais, après. C'est même, non, mais c'est même depuis 80. Non, écoute, il faut partir de 84 jusqu'à 90. Oui. C'est les joueurs. Oui. Mais je donne ce moteur-là parce que là, après 88, quand on a marqué 4 buts, on a gagné la CAN, on voyait, nous les supporters, on se voit quand on est soudés. Et c'est cette équipe-là, n'est-ce pas, toutes ces générations-là, elles nous ont accompagnés en 90 où on a écrit l'histoire. Y a-t-il eu un changement? Il n'y a pas eu de changement. Et c'est pour ça que je crois que même le football, quand tu me demandais que le football, ou bien les auditeurs devaient nous demander pour le foot. Parce que quand tu vois les cadets, tu montes chez les juniors, ce ne sont plus les mêmes. On change carrément l'équipe. Bon, maintenant chez les juniors, espoir, ce ne sont plus les mêmes, on change. Espoir, bon, maintenant chez la grande équipe, tu trouves qu'il y a même perso. Donc toute la génération est perdue. Alors que nous, on a fait les juniors, il y a Kanga Oumam, il y a Mbou, il y a Ndip. Peut-être il y a d'autres qui n'ont pas eu notre parcours dans la grande équipe. Donc on part de 84. Oui, 84, on nous appelle. Mais les grandes compétitions, on part de 86. Tu vas trouver que
il y a les anciens de 80, il y a Koudé, il y a Oudou, il y a Sinkot, il y a Abega, Ambida et consorts. Après maintenant 86, ça commence à sauter un peu pour que les autres rentrent. Tu vois? Donc il y avait un réservoir derrière qui était en sorte que même si Abega n'est pas là, il y aura quelqu'un qui ne sera pas Abega, mais qui aura d'autres caractéristiques qui ressemblent à celles d'Abega. C'est pour ça que ce cheminement pendant ces années-là, déjà même en 82, je peux te dire que les choses arrivent de 82 même. Parce que les gens de 82, c'est les Milan, Kono, Bel. Oui, bien sûr, non, bien sûr, c'est que c'est ça. Mais votre bloc, n'est-ce pas, votre bloc était déjà, on a commencé à voir, n'est-ce pas, en 86. Parce que nous, on regarde les trois. Parce que toi, tu étais en 86. Mais il y avait aussi les Missé qui ne jouaient pas, qui étaient là. Et qui étaient en 86. Il y avait les Mbowe et André qui étaient là en 86. Bon, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas joué. Mais on a vu que Claude Leroy avait déjà récupéré certains jeunes. Tu vois. Oui. Et en 88, n'est-ce pas, ces jeunes-là, n'est-ce pas, ça monte. André, quand toi-même tu te regardes dans le miroir, au football camerounais, qu'est-ce que tu peux nous apporter? Le Fatih Spirit, parce que tu es l'incarnation pure et simple de l'être d'autabilisme. Le Fatih Spirit, on ne peut pas l'inculter à quelqu'un. On est avec, on peut être courageux, mais le Fatih Spirit, comme les sons comme ça, oui. C'est que j'étais, il n'y a pas de trucs que quelqu'un m'a transmis. Je suis né avec. Je peux t'apprendre à devenir courageux, mais avoir dépasser la limite du courage pour, comme tu le, avoir le fatigue, c'est pas quelque chose qu'on enseigne à quelqu'un. On peut donner quelques astuces d'être un bon bandit quand tu es sur le terrain. Bon, là maintenant, tu peux même plus être un bon bandit parce que comme il y a les caméras partout, tu ne peux pas, en marchant, faire semblant que tu regardes là-bas, tu piétines les orteils de quelqu'un, on va dire que non, tu as piétiné. Même si tu ne regardais pas, tu as piétiné. Donc, voilà un exemple. André, donne-nous l'anecdote. Quand le Cameroun, quand il fallait gagner, Mbou et toi, vous avez vos petits secrets là. Qu'est-ce que tu lui disais? Mbombo, dis-nous ça ici là, devant le peuple. Je le disais, non. Et je n'avais pas besoin de dire quelque chose à Mbombo. Qu'on aille au mastic. Bombo, c'est un Bombo Emile. Son jumeau au milieu de terrain. Voilà. Donc, on n'avait pas à se parler pour aller au mastic. Bon, lui, c'est vrai qu'il n'avait pas un tempérament comme ça, mais il avait quand même certaines sales habitudes qu'il mettait à son cerveau. Il y a les photos, hein. Il y a les photos qui se voient vos manières. Pour emmerder les Aziz Boudeba. Donc, moi, bon, quand je voulais, son excellence, et donner les consignes. Roger Mila, c'est vrai. Quand Mila m'appelle André, oui. Quand il m'appelle André, je dis oui, grand. Il me dit, par exemple, il me fait un geste comme ça. Je dis, bon, ok. C'est fait, grand frère. Oui. Non, je veux monter en charge. Je veux monter sur la personne dont on m'a donné le... La responsabilité de traiter. Parce que Mila, on les frappait les pieds là-bas. Maintenant, il fallait que les André aussi. Quand Mila fait comme ça, les signes là, voilà. Donc, c'est une méthode, n'est-ce pas, qu'on a dans le jeu national. Et il y a aussi parfois, n'est-ce pas, Mbida te dit, bon, le voilà. Abega, il est devant moi. Il est là-bas. Au lieu d'aller barrer, il me dit, Anya, allez, au lieu qu'il monte la barre, il dit, Anya, il va le prendre là-bas. Ouais, André, on est donc champion d'Afrique, n'est-ce pas? Mm-hmm. On arrive au Mondial 1990 en Italie. Vos aînés, les Thomas Nkono et Roger Mila, ils ont été invincibles au Mondial 82. On n'est pas parti au Mondial 86. Hein? On arrive au Mondial 90 en Italie. Donc, là, on bat l'Argentine de Diego Armando Maradona. La Roumanie se présente, on le met 2-1 contre la Russie. Le match contre la Russie, on nous fout 4-0. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous étions... On vous a donné l'argent? Non, nous étions débranchés. On savait qu'on était qualifiés.
on était débranché. Le jour de match, on était, tout le monde était au marché. Nous sommes seulement allés jouer parti. Il fallait qu'on joue. Mais si on pouvait nous laisser nous reposer, on aurait dit bon, qui gagne même 20-0, mais on était déjà qualifié. C'est pour ça, c'est la légèreté, c'est tout. D'accord. On n'a pas pris le match au sérieux. D'accord, André Kanabi, comment est-ce que vous préparez le match contre la Colombie? Très simplement, comme d'habitude. Hein. On s'est ressaisi, on a dit que bon, ok, on s'est relâché. Pour nous, le match contre la Russie, c'était une sorte de repos. On n'a pas mis l'intensité qu'on mettait aux autres matchs. Bon, on s'est repris tranquillement et on a fait le job. On gagne donc la Colombie par deux doublés de son excellence Albert Roger Moumila, le meilleur avant tout le monde. Alias Moussoungeti, alias Kadhafi. On arrive alors maintenant. Tu as eu, n'est-ce pas, tu es suspendu, tu ne peux pas jouer. Mais maintenant, la majorité des Camerounais croit qu'on perd contre l'Angleterre à 8 minutes de la fin du match, n'est-ce pas, où on est battu 3-2. Mais la majorité des Camerounais de la tanière, les abonnés de la tanière pensent que ce n'est pas que Libye a démérité ou pas. Non, au contraire, ils ont fait le meilleur match le Cameroun en Coupe du Monde. Mais nous-mêmes, avec notre équipe nationale, connaissant les méthodes que vous utilisez, Mbou et tout au milieu du terrain, et avec comme libéraux un certain Abla, ne dis pas qu'un Vidor, Faya na Faya, on sait que si vous trois, là, les trois suspendus, vous étiez là le Cameroun. Même Onana aussi. Tu vois un peu. Parce qu'ils ont formé l'axe très solide. Ils ont remplacé Massine au coup de pluie dans l'axe. Oui. Pendant les autres matchs, c'était, s'il n'avait pas été là, je crois que peut-être qu'on n'aurait même pas fait les huitièmes. Non, mais ce que j'ai dit, comme on dit, on a fait un très bon match, le meilleur même de la Coupe du Monde qu'on ait fait en quart de finale contre les Anglais. Mais je crois qu'il n'y a pas eu des automatismes. Sur le poste important que tu disais, parce que moi, Mbou, on était les baromètres même de l'équipe, on savait comment on pouvait t'imposer, comment on pouvait piétiner, comment on pouvait peut-être donner un coup de coude. Et puis dans l'axe, là-bas, tu vois que Bennett et Fumassi, ils étaient lourds. La preuve, le pénalty et tout. Donc il n'y a pas que moi, parce que je n'étais pas là. Donc il y a la somme de tout ça. Et je crois même que Si nos entraîneurs avaient été un peu lucides, parce que je vous rappelle que quand on gagne l'Argentine, il y a les dirigeants qui disent qu'on peut rentrer. Hein. Ah oui, oui, quand on bat l'Argentine, les gars disent que non, on a gagné la Coupe du Monde, on rentre. Donc tu peux comprendre, alors qu'on part juste en quart de finale. Donc même, je crois que même les entraîneurs étaient dans l'euphorie. Ils n'étaient plus dans leur tête, c'était plus qu'ils étaient les entraîneurs. Pour eux, c'est que peut-être qu'il fallait que ça se finisse, oui. Que ça finisse et que l'on rentre au pays. Le métier, c'est parce que vraiment, il fallait pas de trop pour donner les consignes quand on mène 2-1, que non, là maintenant, il faut garder le match. Il faut garder le ballon, mais on a continué. Continue à attaquer. On a laissé le derrière. Quand tu étais, durant ce match, tu étais dans les gradins, tu regardais le match, j'étais au banc. Au banc de touche. Bon, quand tu voyais ton petit frère, n'est-ce pas? Oui. Son petit frère, parfois, n'est-ce pas, quand il avait l'opportunité, il n'a pas eu la chance ce jour-là de marquer. Si tu étais sur le terrain, n'est-ce pas, à 2-1, parce que quand quelqu'un a marqué, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu aurais dû conseiller, en tout cas, toi, en ce temps, avec Mbou, avec les Dipakem, le Onana? Quelle est la méthode pour vous? Non, là, on aurait géré le match. À 8 minutes, parce qu'on a 8 minutes. Non, mais ça veut dire qu'on aurait géré le match. Oui. On les aurait pris en compte. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on s'est regroupé. Oui. Et laisser comme François aller vite et essayer de les prendre en compte. Oui. Essayer de pourrir le match. Comme on savait que, bon, ok, tu fais la faute à 50, 60 mètres là-bas. Tu fais la faute. Quand tu sais que, bon, ok, le ballon vient là, il y a le feu dans la maison. Tu apportes le lance-flamme pour le lance-incendie pour éteindre le feu. Donc tu mets le ballon plus loin là-bas, ça vient. Donc on aurait dû pourrir le match comme ça. Parce que comme tu dis à 8 minutes, on
en demi-finale. On est en demi-finale. Demi-finale. Les entraîneurs n'ont pas. Ils ont été tellement emportés par l'euphorie. J'ai dit en 8 minutes, nous on attaquait encore. Tu te rends compte? On les mène. Hein. Deux buts à un, on attaque. Deux buts à un. On attaque en moins 8 minutes. Non, ça ne pourrait pas se passer. Tu comprends alors pourquoi les abonnés de la Tanière, les Camerounais, connaissent ça? Parce que tu vois l'équipe nationale, n'est-ce pas? Nous on suit l'équipe, on connaît qui est qui. Et on sait qu'il y a des gens qui avaient. Si on, il y a certains joueurs qu'avant, quand on les voyait, on savait que tu vois un peu. Donc, André Canabillé, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Mais je veux te dire, par exemple, quand on te dit Thomas Ancol. Il aime le polémique. Quand on te dit Thomas Ancol, ça te dit quoi? Non, c'est l'excellence. On te dit, Joe, ben je vais pas toi. Comment je peux, je sais pas l'adjectif que je peux employer pour Jojo, c'est, je sais pas, ou la joie de jouer, c'est-à-dire que c'est, je peux dire l'avantage. Nyangavo, Jojo. C'est dans les buts, c'est-à-dire que lui, il faut qu'il fasse les trucs ou le genre, c'est-à-dire bon, lui, que ça soit exceptionnel. Il ne va pas faire les trucs simples, non, il complique ses arrêts. Si on te dit. Le sang va être bon. Un sang, Jacques Célestin. Il est un gars très courageux. Parce qu'avoir deux mouvements devant lui comme ça, il fait la carrière qu'il a faite. J'ai dit chapeau. Si on te dit Tokoto Jean-Pierre. C'est un grand frère, je n'ai pas vu jouer, je n'ai pas beaucoup vu jouer. Donc j'ai seulement entendu le nom. Et quand. En tant que gens qui ont joué dans les grandes équipes comme Oris à l'époque, on s'habitue de respect vraiment. Si on te dit le premier capitaine du premier trophée continental, le Dobro, à Bégambi dans le trophée. Dobro, Dobro. Vraiment, je dis, c'est une chance d'avoir côtoyé les gens comme ça. Ce n'était pas un homme simple, il n'était pas ouvert comme les Arantes comme ça. C'est quelqu'un que quand tu le respectes, quand tu le voyais, tu étais obligé d'avoir du respect. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche. Rien que sa présence te mettait au garde-à-vous. Hein. Donc vraiment, pour moi, ça va. Je ne regrette pas d'avoir côtoyé ces gens. Si on te dit Kala, Kala, un Congo, un Raymond. Kala en Congo? Oui, Raymond. Oh, ça m'aurait fait plaisir de lui apprendre le métier, mais je crois que il s'est bien débrouillé. Si on te dit Samuel est au fils, l'envoyé de Dieu. Samuel, c'est quelqu'un que j'aurais aimé être à son service en tant que joueur. Parce que lui-même l'a dit que ça lui aurait fait plaisir s'il avait été. De jouer avec nous. C'est de pour donc être au service d'une personne comme lui, moi ça m'aurait pas gêné du tout de sortir la boue partout pour lui donner le bon ballon et lui apporter tout ce dont il avait besoin pour bien évoluer à son poste. Si on te dit le meilleur stopper d'Afrique, Aoudou Ndantale Ibrahim. Oui, je peux dire que c'est un professeur parce que c'est des gens qui m'ont appris aussi le métier quand je suis arrivé. Donc j'en ai pris chez des gens comme ça parce qu'il m'est arrivé de jouer. Parce que je les ai vus jouer, je les ai entendus parler et il m'est arrivé de jouer à leur poste où ils essayaient. Et je crois que je m'en suis sorti avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Si on te dit le meilleur avant-centre du monde, celui-là même qui n'a jamais raté le but, quand il entre dans les SMS, quand c'est pénalty au Bouja, son excellence, c'est Roger Moumira. Moutsungari. Bon. Merci pour tout, grand frère. Vraiment, merci pour tout, parce que quand j'arrive à l'équipe nationale, comme tu disais en 88, oui, en 86. En 86, la première Coupe d'Afrique, quand. On est à la causerie d'avant match dans les vestiaires où l'entraîneur parle et après Roger prend la parole. Mais le monsieur, il ose me dire
que moi, quand Abiy qui arrive à l'équipe nationale, que personne, à part au Cameroun, n'a entendu parler à l'extérieur. Il dit que non, comme on parle de Marocains là, et tout, c'est comme ça qu'on parle de quand Abiy, les bouts aussi là-bas au Maroc. Il trouve que le monsieur, c'est un Marocain. Et ça m'a donné le courage énorme. Ça dit que tu ne peux pas comprendre, ça dit qu'il faut une parole seulement pour te mettre en confiance. Est-ce que tu peux entendre ça? Tu n'as jamais fait aucune compétition, mais il te dit que non. Tu dois aller jouer, il te dit que non. Au Maroc, on parlait de toi. Comme on parle à Zibouba, les crimes là-bas au Cameroun. Comment tu peux expliquer ça? Donc, quelqu'un te met là, tu te dis comme, ah, d'accord. On parle de moi? Mais non, mais là, nous sommes en guerre. Oui, non, mais tu sais. Donc, quand il te fait, quand il te dit que non, hein, ben, tu dis que non. Chef, le travail est fait. Et tu dois le faire pour qu'il voie que c'est bien fait. On va déjà vers la fin. Si on te dit, l'homme qui a marqué le plus, qui a donné le plus de jeux au peuple camerounais, il s'appelle François Omame Biyik. Il détient le record mondial de saut à hauteur. Même Cristiano Ronaldo ne l'atteint pas. Ton petit frère. Oui. On me dit quoi? Mais si on te dit, mais parle un peu de lui. Mais comme tu as parlé de ça, pourquoi tu ne veux pas parler de lui? Non, je vais dire que bravo moi-même. Bravo moi-même. Le petit a très bien appris. Les sons à hauteur, les détentes. Parle-nous un peu, Massa. Parle-nous un peu. Ça dit que quelque chose n'a pas ça. Oh, Black Joe. Petit. Bon, mais calé et secret, mais tu secret, vous, et vous, épine qui bon, c'est nous, au moment, contre l'Argentine. Dis pas, vous allez, mais ma salle bol, bien sûr. Mais ma salle bol, bien sûr. Balle mes pambes, qui m'aime me faire, bon, dis qui va vivre, donc, je suis allé ramasser petit. Dit ouais il y a eu maintenant on termine avec le fire la fire autorité qui pas qu'un buteur celui qui a dit à Maradona you are professional me an amateur I'm gonna broke your leg dis pas qu'un buteur mais j'avais dit ça à Zibou là-bas là aussi en 86 à la canne. Il dit qu'on a deux jours doucement. J'ai dit que. Il me dit, ah, joue doucement. J'ai dit que arrête tes conneries. En français ou oui, non, en arabe, je parle arabe. Mais c'est pas. Non, je dis qu'il me dit, joue. Je dis que si tu as vu, je vais casser ta jambe. Il dit quoi? J'ai dit, je casse. Il casse ta jambe. Il n'est plus jamais venu. Donc, Ambla, dit, je ne suis pas content de toi. Parce que pendant tes tournées pendant la canne. Pendant la canne, j'étais appelé plusieurs fois. Oh Ambla, je suis à l'aéroport là. Quand j'arrive, je t'appelle. Oh Ambla, je suis en train de visiter le stade là. Tu as mangé tout l'argent de la canne, tu ne m'as rien donné. Le jour, je te préviens, le jour où j'arrive au Cameroun, c'est toi que je viens chercher en premier. Et on va régler ça entre nous. Le jour là. Et je préviens tout le Camerounais que. Quand il y aura bagarre que personne ne sépare. Ouais, André Canabic, merci beaucoup. Pour la majorité des Camerounais, n'est-ce pas? Vous êtes un monument. Je vous remercie énormément. Je ne sais pas si la secrétaire a un dernier mot. Non, mais non, mais... Alors, moi, si j'ai un mot. Surtout pour dire merci à la tanière. La tanière, c'est tous ces anciens lions-là. Très honnêtement, je connaissais très peu les anciens joueurs du football camerounais. Et au travers André Canabic, j'ai eu pas mal de révélations sur les exploits. Parce qu'il y a énormément d'informations qui ne circulent pas sur les anciens joueurs. Et là, c'est très intimiste. Et ça me donne vraiment, je me sens très chanceuse de connaître notre véritable histoire. Et donc, je souhaite particulièrement remercier André Canabic pour
la transmission qu'il fait au travers de cette page et qui est importante pour nous, la jeunesse, pour qu'on connaisse les batailles qui ont été faites avant, parce que ce soit sur le terrain de football ou même lorsque nous sommes un peu plus individuels dans nos parcours, c'est important de se souvenir de ce qui a été fait avant pour qu'on continue à faire avancer le flambeau. Et c'est pour cela que je me sens vraiment très 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 heureuse de faire partie de la tanière. Et tout Camerounais se sentirait vraiment bien d'être dans la tanière. Mais vraiment, merci André Kanabik, merci à tous les anciens joueurs. Merci, merci pour tout ce que vous faites pour le football camerounais. Et bah, la tanière est là pour exprimer cet indomptabilisme que vous avez vraiment créé en tant que Camerounais, en tant que lion indomptable du Cameroun. Et c'est vraiment une puissance que nous avons à l'intérieur de notre être. Et voilà, donc nous continuerons encore à échanger comme ça davantage avec les anciens joueurs tant qu'on pourra, parce que ça fait partie de notre identité culturelle. Donc voilà, merci beaucoup. La tanière de Londres. C'est toi qui as écrit l'histoire. Et tu l'as réécrit encore une fois de plus. Grand frère. Grand frère. Que Dieu te bénisse. Hein. Toi aussi. Le Cameroun avec toi. Hein. Ok, bon retour à Londres. Merci beaucoup. Grand merci. Bonjour à la famille. Grand merci.